Il y a des trucs que j'ai remarqués, des différences par rapport à la France, mais bon, c'est des trucs qui n'intéressent que moi et personne d'autre. Genre vraiment, si je devais faire mon Paul Taylor, ce serait vraiment pas intéressant. Genre générique. C'est quoi ce bordel d'Angleterre là? Salut, je m'appelle Gauthier, je suis français mais j'habite ici en Angleterre. Et un des trucs que j'ai jamais compris, c'est pourquoi dans les métros à Londres, les quais dans la plupart des lignes, ils sont séparés par un mur et on voit pas les quais dans les deux différentes directions comme à Rennes ou à Paris tout simplement. Ici il faut parfois genre carrément prendre un escalier ou traverser la moitié de la station pour aller dans l'autre direction. Aussi le métro de Londres, c'est fou à quel point il est vieux, genre il a environ 50 ans de moins que celui de Paris. Et la dernière ligne est construite, elle date des années 70. Aussi, on peut parler des bus à deux étages. Je pensais que ça allait me faire reconsidérer toute mon appréciation des bus, que ça allait être genre une expérience, que ça allait être génial. Mais en réalité, ça reste exactement pareil. C'est aussi chiant que quand il n'y a qu'un seul étage. Voilà. What the fuck ou quoi? C'est quoi ce bordel d'Angleterre là?